Savez-vous que le vignoble Sancerrois regroupe 3 000 hectares de vignes et plus de 300 exploitants de toute taille, et que les vignerons exportent plus de 70% de leur production à l'étranger? Le secteur viticole recrute, et pas seulement des vendangeurs en septembre. Pour celle ou celui qui aime travailler à l'extérieur, de nombreux postes sont à pourvoir et des possibilités d'évolution existent. Les vignerons rencontrent des difficultés pour trouver des salariés. En témoigne Stéphane Cherrier, exploitant à Verdigny. Bonjour, donc je me présente Stéphane Cherrier, je suis un représentant de l'Union viticole Sancerroise. Et depuis quelques mois, on s'associe un petit peu avec Pôle emploi et puis d'autres organismes pour tenter d'essayer de pallier au manque de main-d'œuvre dans la région du Sancerrois et dans les alentours. Donc aujourd'hui, le secteur viticole à Sancerre est un secteur en plein essor. La vignoble possède 3 000 hectares et il y a beaucoup de travail dans les vignes. La vigne est mécanisable avec les tracteurs, mais elle demande également une forte main-d'œuvre et la main de l'homme est essentielle pour avoir des vignes et des raisins de qualité. Aussi, en 2018, Pôle emploi d'Aubigny, avec ses partenaires locaux de l'emploi, la Direct, le conseil régional, la mission locale, le conseil départemental, la communauté de communes et l'Union viticole sancerroise, nous avons décidé de faire quelque chose pour contrer ces difficultés et répondre aux besoins du secteur. Voici le témoignage d'un apprenti viticole. Alors j'ai choisi ce métier tout simplement parce que être à l'air, ça me plaît. Et il y a beaucoup de différentes tâches au cours de l'année. Et j'aime être polyvalent. Donc ça me permet de voir pas mal de choses en une année, de ne jamais faire la même chose. Alors mon métier d'ouvrier viticole consiste à entretenir la vigne tout au long de l'année. Pour exercer ce métier, moi déjà à la base, je n'étais pas dans cette branche-là. Arrivé au château de Sancerre, j'ai eu la chance qu'on me propose un CDD de 3 ans qui consiste à me former sur tout type de métier touchant la vigne et la cave. Voici notre plan d'action. 1. Se mettre autour de la table avec tous les acteurs, les vignerons pour être à l'écoute de leurs besoins et les partenaires de tout horizon pour envisager des solutions adaptées, la mobilité, l'hébergement, l'image dévalorisée du métier. 2. Organiser une présentation des différents métiers de la vigne auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi pour promouvoir et valoriser l'image du secteur. 3. Organiser une formation taille de la vigne sur le territoire et des job dating. 4. Travailler la question de la mobilité des salariés avec la communauté de communes. 5. Utiliser notre site de recrutement maintenant pour matcher plus rapidement. L'équipe de Pôle emploi d'Aubigny s'investit dans ses actions pour dynamiser son territoire.